Si vous voyez un oreiller sur le sol, surtout, ne marchez pas dessus. Ça vous endort la jambe au premier contact. Oh! Quoi donc, c'est ici qu'il vit? Et il est devenu complètement taré? Ouais! Et rien pour le faire revenir au sommeil. Après avoir endormi tous les gens de la ville. Bon, on avance! On continue à discuter comme des discuteurs! On discute peut-être trop, mais c'est pas moi qui lui ai offert gracieusement la pièce manquante de son laser! Oh. Moi qui m'étais démené à détruire tous les aquariums de la ville! Monsieur Grognouf n'est pas un aquarium! C'est un mammifère comme vous et moi! Et lui, il a pas besoin d'un masque risqueux! Je ne vous permets pas! Oh, on en est où là encore? Ça va finir par terminer maintenant! Allez, on avance! Bien joué, Bolduc! C'est bloqué. Je vais me téléporter de l'autre côté. Non, surtout pas. C'est sans doute truffé de pièges. Laissez-moi faire, je vais utiliser mes pouvoirs. Oh. On va enfin savoir ce que c'est. Ah bah, ouais, on se demande, hein. Oh. Alors c'est ça, votre pouvoir? Oui, je peux ouvrir les portes grâce à ma force mentale. Mais, toutes les portes? Toutes. Même les portefeuilles. Et les porte-manteaux. Et les porte-avions. Oh, ouvrir les portes, c'est quand même vraiment naze du slip comme pouvoir. Excusez-le, il est sympa, mais il est parfois un peu lourd. Non, mais il a raison. Mon super pouvoir est super ridicule. Bah, carrément pas. C'est hyper utile, regardez, c'est grâce à vous, ça. Hé, les pougnoufs, vous venez? Il y a deux chemins. Je propose de suivre le sens du vent. Il n'y a pas de vent dans un souterrain. Tu as bien une réponse de Suisse. De toute façon, les deux chemins mènent à la salle du laser. Je propose qu'on sépare et qu'on le prenne en tenaille. Bonne idée. Faisons un chat-zombie-disco pour décider. Le perdant est tout seul. Attendez, on fait quoi? Un chat-zombie-disco? Vous connaissez pas? Mais non. Le chat gagne contre le zombie, qui gagne contre le disco, qui gagne contre le chat. Bah, ok. Chat, zombie, disco. Ha, perdu, vous avez fait chat. Ok, Bolduc, vous prenez la gauche. On se retrouve aux portes du repère. Votre signal sonore sera... Bonne chance. Merci. Pour le signal sonore, j'aurais préféré... Ouais, non, je sais pas. Par contre, on aurait peut-être pu faire un truc du genre. Je crois qu'on y arrive. Les têtes du volant. D'accord. Grognouf, il est déjà en place. Grognouf. Fignouk. Grognouf. 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 Arrêtez, c'est pas le moment. On n'a plus le temps. Il est question de laisser Monsieur Grognouf dans cette machine infernale. Non, attendez. De te faire confiance et c'est comme pis.
lancé dans un violon. Toi, t'es bourré de talent, mais t'es pas foutu d'achever quoi que ce soit. Et je comprends pas. Pourquoi chaque fois que tu crées des bons personnages, tu les laisses tomber après? Je savais que vous viendriez. Bon courage pour ta nuit blanche, ça va aller. Juste, prends confiance. Et bouge-toi le cul.